On est à l'hôtel à Europa Park, on s'est fait inviter et on s'emmerdait un petit peu. On a acheté 300 ballons. On a 3 paquets de 100 ballons. Ça fait beaucoup. Je vais vous montrer la vue qu'on a sur le parc depuis la chambre. Si je monte dans les ISO, ça va être complètement dégueulasse. On a une putain de belle vue. Il y a deux ballons qui sont collés ensemble. Essayez de les gonfler. Mec, fais plus jamais ça, mec. Bon, Kev, il lui reste encore un peu de son paquet. Moi, j'ai fini le paquet, donc là... Il doit y en avoir un peu plus que 100, vu que Kev en a gonflé pas mal. Et du coup, je vais entamer le troisième paquet. Le seul truc super chiant, c'est que à force d'en avoir gonflé des dizaines et des dizaines, ça commence à faire putain de mal aux doigts à chaque fois que tu fais le nœud. Et puis on a mal à la tête, on a mal à la bouche. C'est 1h10 du matin. Quand il y a un ballon qui pète, je pense que ça fait chier à tous les gens dans l'hôtel. Vous êtes peut-être en train de vous demander où sont passés tous les ballons. Alors bon, bah voilà. Putain, c'est pas vrai, non ? C'est une maison en ballon. Je fais le tour du propriétaire, hein. Des ballons. Des ballons partout. Je vais vous montrer. Kevin ? Je peux entrer ? Ouais, tu peux rentrer. Salut ! Tu vas aux toilettes, mec, là c'est mort. Hein. Ouais, mais écoute, je vais aller pisser, quoi. Ouais, courage, hein. Ouais, ouais. Dis-moi pas que t'es aux chiottes quand même, putain. Ouais. Ah, mec, t'es vraiment aux chiottes ? Mais mec, t'es sérieux, je suis en train de chier, mec. Sors de là ! Chier, connard. Putain. Bon, du coup, là, Kevin est en train de se doucher. Il est 7h du matin. Il faut qu'on les enlève tous avant que les femmes viennent faire la chambre. Et on sait pas trop comment faire. Parce qu'en fait, pour pas que ça fasse du bruit, il faudrait les péter, genre là. C'est là où c'est mou. Parce que si on les pète là, ça va péter, ça va faire du bruit direct. Tu vois, si je fais avec le crayon comme ça, ça va faire du bruit. Tu trouves une technique ? Avec le crayon, je fais un trou là. Et après, ça se dégonfle petit à petit. Par contre, 300 ballons, ça va être long. Ah putain! Combo! C'est abusé, faut que je trouve une autre technique. Et putain! Ça veut pas péter! Mais mec, c'est une blague, hier il se pétait les gros les gonflés. Ils sont solides, hein. Oh non, mais fais pas ça, mec. Putain. Mais, hé, mais mec. Ça sent un peu les poils cramés en fait, le ballon. Ouais, ça va. C'est abusé. Ça pue la baudruche dans toute la chambre. Du coup, là, on devrait être en train de profiter du parc, mais on est obligé de ranger toute cette merde. Ça, c'est la poubelle avant. Et la poubelle après. Bon, bah, du coup, voilà, on a fini de ranger.
c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Mais arrêtez d'abonner-vous à la fin.